Deze week zetten we drie innovatieve bedrijven in de kijker. Finpress, het Nationaal Geografisch Instituut en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Finpress, de drukkerij van de Federale Overheidsdienst Financiën, drukt onder meer de aanslagbiljetten van elke Belg. Om alles te verwerken is Finpress goed uitgerust. Een doorgedreven vakmanschap gaat er samen met innovatieve technologie. À Finpress, on regroupe deux imprimeries, une imprimerie classique et une imprimerie digitale. L'imprimerie digitale, c'est pour tous les aspects, par exemple les avertissements extraits de rôle, les textes automobiles, tout ce qui est pour le citoyen. Et l'imprimerie offset classique, elle, c'est pour tout ce qui est livres, brochures, qui sera aussi à disposition pour des salons, par exemple, ou pour des formulaires, et ainsi de suite. Le besoin principal du SPF Finance pour une imprimerie, c'est qu'on imprime énormément. C'est-à-dire que rien que l'avertissement extrait de rôle que tout le monde reçoit chez lui, ça représente des quantités énormes. Si déjà, un, on est obligé de le faire en interne parce qu'il y a un respect de la vie privée et ainsi de suite. Et deux, les imprimeries privées ne sont pas souvent pas équipées comme nous le sommes. Donc c'est-à-dire qu'il faut des applications bien précises qu'on n'a que ici. L'imprimerie digitale est l'une des plus performantes en Belgique, voire même en Europe. Il y a aussi le fait que les équipes sont relativement dynamiques et flexibles. Et ainsi de suite, dans l'imprimerie classique, on a aussi fait énormément d'investissements sur le nouveau matériel et sur la formation du personnel. Onze volgende halte is het Nationaal Geografisch Instituut. En ook hier gaat jarenlange ervaring samen met de nieuwste technologie. Sa mission principale, c'est de constituer une base de données d'informations géographiques. Pourquoi dis-je base de données? Parce que nous sommes passés de l'ère des cartes papier vers l'ère digitale. Largeur de route 10. Modifié, OK. Donc en fait, on part sur le terrain avec une partie de la base de données pour une certaine zone qu'on va contrôler et mettre à jour. Donc, on a les orthophotos qui sont des photos aériennes qui nous servent de fond et qui permettent d'avoir l'information au niveau géométrique des éléments nouveaux de façon à les dessiner correctement. Plus évidemment le contrôle visuel direct qui permet de bien définir chaque objet en ayant vraiment le contrôle sur le terrain. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft een innovatieve kijk op de werkomgeving. Wel, we hebben een project in de FOD Sociale Zekerheid en het heet Novo. Het is Portugees voor nieuw, hè, want we mochten het niet in het Nederlands en niet in het Frans zeggen. En het is ook wel nieuw, denk ik, in de zin dat wij niet meer zullen zeggen aan mensen wanneer ze hier moeten zijn en hoe ze moeten werken. Maar we zullen aan de mensen vragen om de resultaten te bereiken die we hen vragen. En we zullen hen daar ook in coachen. Dankzij een doorgedreven informatisering volgen de dossiers vanaf nu de ambtenaar en niet omgekeerd. Mensen moeten overal hun dossier kunnen bekijken. Of ze nu bij mij zijn in Brussel, of ze werken thuis, of ze werken op de trein. Ze moeten overal kunnen werken. En dus moet een dossier gedigitaliseerd zijn. Een volgende stap is het verfraaien en het rationaliseren van de werkomgeving. En nu zult u waarschijnlijk zeggen, hoe heeft hij al dat moois betaald? En dat zal ik u eens tonen. Voilà, dat is een volledig lege ruimte, zeer groot. Nu zorgen we ervoor dat bijna alle plaats ingenomen is. En we hebben minder vierkante meters nodig. Want wij hebben gezien dat op een gemiddelde dag nooit meer dan 60% van de mensen aanwezig is. En dus was minstens 40% van de bureaus niet bemand. We moeten niet betalen voor de verlichting, niet voor de verwarming. Dat zijn duizenden en duizenden en duizenden euro's die wij besparen. Ik denk dat op dit ogenblik, zeker in de federale overheid, dat er nu een vorm van creativiteit is die groter is dan in vele privéorganisaties.